Cela ne fait aucun doute, Napoléon a largement marqué de son empreinte la Seine-et-Marne. Parce qu'il a redonné vie au somptueux château de Fontainebleau, certes, mais pas seulement. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un œil aux documents conservés aux archives départementales. Bonjour Joseph, je vous trouve en pleine lecture. Qu'est-ce que vous avez entre les mains ? Les archives départementales de Seine-et-Marne conservent de nombreux trésors et en particulier des témoignages concernant cette période du Premier Empire. Le registre que je tiens en mes mains est un registre de correspondance du préfet de Seine-et-Marne, Adrien Godard de Plancy, avec le gouvernement, notamment des courriers échangés avec le ministre de l'Intérieur, le comte de Montalivet. Donc nous avons là une correspondance échangée en date du 11 février 1814, dans laquelle il est dit qu'aucun parti ennemi ne s'est présenté dans les environs de Melun, mais qu'on s'attend à des événements majeurs. Parce qu'en février 1814, on se battait en Seine-et-Marne. En effet, dans les jours qui suivent ce courrier, le général autrichien Hartegg se présente à Montereau, il envahit la ville, se livre à de nombreux pillages, à des atrocités, et dans les jours qui suivent, les armées autrichiennes et wurtembergeoises, sous le commandement du prince royal de Wurtemberg, vont engager des combats. La Seine-et-Marne va être le théâtre de violents combats. Aujourd'hui, je m'apprête à marcher dans les pas du chef de guerre Napoléon pour retracer cet épisode majeur de la campagne de France de 1814. Mon aventure commence ici, dans cette charmante ville de Moret-sur-Loing. Bonjour François, j'ai besoin d'un expert pour mieux comprendre cette campagne de 1814. Quel était l'état de l'Empire en 1814 ? Bonjour Thomas, alors l'Empire est en grand danger puisque à partir de 1812, Napoléon va connaître un certain nombre de défaites, notamment la désastreuse campagne de 1812, et toute l'Europe qui marchait avec lui, eh bien, va marcher contre lui au début 1814. Il y a vraiment un retournement d'alliance, et donc là, vraiment, la France est cernée par ses ennemis, depuis la frontière nord jusque les Pyrénées. On parle de 800 000 à 1 million d'hommes qui veulent rentrer sur le sanctuaire national. C'est ce qu'on appelle la sixième coalition. Oui, c'est la sixième coalition qui regroupe l'Autriche, la Prusse, la Russie, la Confédération allemande qui fonctionnait auparavant avec Napoléon, et tout ça est financé par l'Angleterre. On est là à Moret-sur-Loing, c'est charmant, c'est calme, c'est bucolique, mais en fait, à l'époque, on était sur le champ de bataille. Oui, parce qu'à partir de janvier 1814, les Alliés rentrent sur le territoire. Blücher et les Prussiens par le nord de l'Alsace, le Schwarzenberg et les Autrichiens, et tout ça avec beaucoup de Russes, par le sud de l'Alsace. Et ils marchent vers Paris. Leur but, c'est évidemment détrôner Napoléon, le vaincre sur le champ de bataille, puis prendre la capitale. Et en février 1814, Moret-sur-Loing est vraiment sur la ligne de front. On est au plus proche de ce qu'ils seront en février 1814. Par la suite, Napoléon va pouvoir battre Blücher et se rabattre sur Schwarzenberg et le forcer à reculer à Montereau, notamment lors de la bataille de Montereau. C'est à Montereau, justement, qu'on va se retrouver tout à l'heure, François. Merci beaucoup, je pars sur les traces de l'empereur. Eh bien, à tout à l'heure, Thomas. Je n'en crois pas mes yeux. Un boulet de canon est encastré dans ce mur. Un véritable vestige de l'épopée napoléonienne. Le 15 février, Napoléon arrive à Meaux avec la garde impériale. Le lendemain, il installe son quartier général à Guignes. L'heure de la grande bataille approche. C'est ici, au premier étage de cette ancienne auberge, que Napoléon a passé la nuit du 16 au 17 février. D'après une légende locale, c'est depuis le belvédère de Guignes que Napoléon aurait observé la bataille de Mormant, qui s'est déroulée à seulement quelques centaines de mètres d'ici. Ou bien était-ce depuis le clocher de cette église ? Tiens, les combats viennent justement de débuter. Napoléon décide d'attaquer les Autrichiens le 17 février avant que les Prussiens n'arrivent en renfort. Sous la pression, les Autrichiens se replient vers le sud. Mais pendant leur retraite, les Français continuent de les harceler, provoquant la débandade dans les rangs adverses. J'ai pas rêvé. Il y avait bien quelqu'un. Je suis peut-être un peu trop en immersion là. Cette bataille va finir par me hanter. Le 17 février, l'armée napoléonienne continue d'avancer en deux colonnes, l'une vers Donne-Marie d'Antilly, l'autre en direction de Montereau. Les troupes coalisées se retirent vers Nogent et Bray-sur-Seine. Napoléon se rend à Nangy. Alors que la vieille garde bivouaque dans le parc,
Napoléon épuisé passe la nuit au château. C'est ici qu'il écrit à Caulaincourt, son ministre des Relations extérieures. Par cette lettre, il lui retire les pleins pouvoirs qu'il lui avait accordés pour négocier la paix avec les Alliés. L'empereur commence sérieusement à se faire du souci. Et il n'est pas au bout de ses peines. Il vient d'apprendre que le verrou de Montereau est encore aux mains de ses ennemis. Le pont est tenu par environ 18 000 soldats allemands. François, généralement, quand il y a une statue de Napoléon, ça ne trompe pas, il s'est passé quelque chose d'important. Oui, ici nous sommes à Montereau et le 18 février 1814, il y a eu une grande bataille qui a été une victoire et qui a permis de repousser les coalisés vers la frontière. Le matin, les forces en présence vont être un petit peu en échec. La bataille va se passer sur le plateau de Surville jusqu'à l'arrivée de Napoléon. À ce moment-là, les Wurtembergeois et les Bavarois qui tenaient le plateau, qui se battaient très bien depuis le matin, eh bien, vont commencer à refluer et tout ça va se terminer par une grande charge de cavalerie qui va débloquer les ponts et surtout pour sauver les ponts qui étaient l'intérêt majeur de la ville. Tout le monde va se retrouver dans la ville et les habitants vont en fait jeter des choses sur les coalisés et pour les faire partir parce qu'ils s'étaient très mal comportés pendant l'occupation de la ville. Il était comment Napoléon avec ses hommes ? Alors, il était très proche de ses hommes. Ici, il y a une anecdote qui est très célèbre puisque c'est un artilleur de formation. Il va donc retrouver ses premières amours, entre guillemets. Et on va s'inquiéter de ça parce que les boulets arrivent dans cette direction et les artilleurs et les officiers qui sont autour de lui vont avoir peur pour lui et ils vont en fait lui demander de s'écarter. Et lui, il va répondre, eh bien non, parce que le boulet qui me tuera n'est pas encore fondu. Vaincu et dispersé, les forces de la coalition sont chassées de Seine-et-Marne. Sérieusement menacées, Fontainebleau n'est finalement pas tombé. Le 18 février au soir, Napoléon loge au château de Surville, sur les hauteurs de Montereau. Le repos du guerrier est bien mérité. Attendez, mais qui va là ? Ah, moi aussi, il faut vraiment que je me repose, hein, je commence à avoir des hallucinations. Malheureusement pour Napoléon, le repos sera de courte durée. Car 10 jours après leur défaite à Montereau, les armées de la coalition reprennent le dessus. Et plus rien ne les arrêtera. Le 30 mars 1814, elles atteignent Paris. Le 11 avril, Napoléon abdique à Fontainebleau. Et quelques jours plus tard, l'empereur déchu fait ses adieux à la vieille garde.